comment éclairer votre intérieur lorsque bientôt rugira le Styx. Est-ce là le fruit d'une vie de labeur? Même si j'y retrouve Jimmy Hendrix. Comment éclairer votre intérieur? Attendez. Oui, parce que le problème, vous croyez que c'est facile, mais le problème c'était de trouver une rime avec Styx. Il n'y en a pas beaucoup. Alors il y avait Patafix, mais je bricole pas du tout, donc voilà. J'ai trouvé Archéoptérix. Ça c'était intéressant, d'une part parce que Archéoptérix, personne n'utilise dans les chansons, donc ça me plaisait beaucoup. Vous savez ce que c'est un Archéoptérix? Non? Alors un Archéoptérix, c'est un oiseau préhistorique qui ressemble un peu à un genre de canari de 600 kilos et dont la femelle avait la particularité de voler avec un sac sur la tête. Pourquoi? Pour pas effrayer ses partenaires. En effet, parce que pour se nourrir, le volatile en fait fondait sur ses proies, enlevait le sac, et là, le sosie de Charlotte Gainsbourg il y a 40 000 ans. Je sais pas si vous voyez le truc. Hein. Bon, après, c'était facile, hein. L'animal restait pétrifié, et elle se mettait à lui chanter une chanson pour l'abattre. Voilà, c'est tout, hein. Bon, donc, Archéoptéris, du coup, j'ai laissé tomber, il y avait trop de pieds, de toute façon, d'où Hendrix. Hein. Comment éclairer votre intérieur lorsque le crabe est à l'affût? Le lundi, on est vif et rieur. Mardi, t'as mal. Mercredi, tu meurs. Ouais, il y aura pas mal de trucs sur les maladies hein, dans le spectacle. Hein. Comment éclairer votre intérieur? Partout de la souffrance, le décor est morose. Qui sera mon gourou, mon cher pas à grand chose? Le Dalai Lama ou Cyril Hanouna, Thomas Piketty ou bien Bernard Tapie? Ah, quel foutu dilemme, je crois que je vais me suivre moi-même.